Elle parle pas, elle bouge pas. Les oreilles. Non, ça va pas être facile ça. Si tu m'entends, serre-moi la main. Oh, oh. Rien. Oh là là. Maintenant, j'ai peut-être rien si elle. Respire. Comment je pourrais regarder si elle respire? Toi, demoiselle. Bois. Ouais, c'est une solution, une autre solution. Alors, elle a dit mettre son oreille sur son cœur. En appuyant sur le ventre. On va voir si elle respire. On va peut-être trouver un petit peu mieux. Autre. Oh, ah ouais. Alors, on voit ça, oui. Gentiment et délicatement, je mets doucement sa tête en arrière. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Encore. Oh, une fraise, Tatiana. Oh, un bonbon. Et après, je vais regarder si elle respire pour une durée de plusieurs secondes. Et là, je dois voir trois choses. Est-ce que ça bouge? Est-ce que je sens l'air ou alors est-ce que j'entends les... C'est bon? Ça bouge donc elle respire. Le problème c'est que si je la laisse comme ça, peut-être que si elle vomit, ça va partir dans les... Donc il va falloir que je la mette sur le... Sur le côté. Tu vas te lever, je vais changer de cobaye. Merci demoiselle. Le cobaye, j'aime un petit lien. Tu t'allonges sur le dos, tu bouges pas, tu parles pas. Donc, en termes, c'est la mise sur le côté. Je ne parle pas de mots compliqués. Comment je vais le ou la mettre sur le côté? Et après, je demanderai à des enfants de refaire pareil et les adultes seront cobayes. Évidemment. Je mets la personne dans son bras comme ceci. Main dans la main. Si, c'est un pompier. Non, ça ne marche pas.